Le pompage optique est une méthode d'étude qui permet la réalisation de nombreuses expériences de physique atomique. Plus précisément, il permet de modifier l'orientation des moments magnétiques atomiques et de rompre ainsi l'équilibre thermique entre certains atomes et le milieu qui les environne. Lorsque l'atome ne subit pas d'interaction extérieure, son moment magnétique conserve une orientation fixe dans l'espace. Des changements d'orientation peuvent se produire, au contraire, lorsque les atomes de la vapeur subissent des collisions. L'atome peut céder à la paroi son énergie magnétique et s'orienter dans le sens du champ. Mais la paroi est constamment le siège de mouvements d'agitation thermique, et ceux-ci peuvent rendre à l'atome assez d'énergie pour qu'il s'oriente en sens opposé au champ magnétique. Cet échange d'énergie dans les chocs constitue le phénomène de relaxation. La relaxation pourrait modifier le nombre N1 d'atomes dans l'état du bas et le nombre N2 d'atomes dans l'état du haut. On appelle N1 et N2 les populations des deux niveaux. Mais pour une température constante de la paroi, la relaxation produit un équilibre thermique où les populations N1 et N2 restent en moyenne constantes. Le rapport des populations est donné par la formule de Boltzmann, N2 sur N1 égale exponentielle moins delta E sur KT. Delta E est la différence d'énergie entre les deux niveaux. KT est une énergie proportionnelle à la température absolue T. À température ordinaire, KT est de l'ordre de 1/40 d'électronvolt. D'après la formule de Boltzmann, si l'écart d'énergie delta E est très grand par rapport à KT, le niveau du haut est vide. Mais si delta E et KT se rapprochent, la population du niveau supérieur n'est plus nulle. Inversement, si l'écart d'énergie delta E est très petit par rapport à KT, les deux niveaux sont presque également peuplés. C'est toujours ce qui se passe dans le cas de sous-niveau magnétique à température ordinaire. En d'autres termes, à l'équilibre thermique à température ordinaire, les moments magnétiques atomiques sont répartis en nombre égal suivant les diverses orientations. Terminé. On sait que la polarisation des composantes émanes émises par les atomes s'explique par des échanges de moments cinétiques entre la lumière et les atomes. Inversement, excitons un atome avec de la lumière polarisée circulairement sigma plus, tournant autour du champ magnétique dans le sens positif. L'atome absorbe le moment cinétique du photon, c'est-à-dire que la projection de son propre moment cinétique augmente de la quantité H-bar. Bien que la méthode soit générale, nous l'expliquons dans le cas particulier où les moments cinétiques n'ont que deux orientations possibles, aussi bien dans l'état fondamental E0 que dans l'état excité E1. Les atomes dirigés dans le sens du champ
ne peuvent pas absorber la lumière sigma plus parce que leur moment cinétique ne peut pas augmenter. Lorsque les atomes dirigés en sens opposé au champ absorbent la lumière sigma plus, leur moment cinétique s'oriente dans le même sens que le champ magnétique. Lorsque les atomes retombent de l'état excité, certains réémettent un photon sigma plus et perdent alors le moment cinétique acquis. Mais les autres réémettent un photon pi et gardent le moment cinétique acquis. En résumé, le moment cinétique total de l'ensemble des atomes et du rayonnement est conservé, mais une partie du moment cinétique de la lumière a été transférée aux atomes. Le processus peut se reproduire plusieurs fois à la suite. À chaque fois, le nombre d'atomes orientés dans le sens du champ augmente. On peut, théoriquement, obtenir une orientation totale. Inversement, si on excite les atomes avec de la lumière polarisée sigma moins, tournant autour du champ magnétique dans le sens négatif, on leur communique du moment cinétique négatif, dirigé en sens opposé au champ magnétique. Les atomes s'orientent dans le sens opposé au champ magnétique. En pratique, on ne parvient jamais à vider totalement l'un des sous-niveaux magnétiques au profit de l'autre et à réaliser une orientation totale. Le pompage optique, en effet, tend à détruire l'équilibre thermique. Mais la relaxation s'y oppose. Elle tend constamment à rétablir cet équilibre. Écoutons le professeur Kastler nous expliquer lui-même sa méthode. Les méthodes optiques de la résonance hertzienne ont été développées au laboratoire de physique de l'École normale supérieure par l'équipe que Jean Brossel et moi-même avons constituée à partir de 1951. Et maintenant, je vais essayer de vous expliquer sur un exemple comment fonctionne le pompage optique. C'est l'expérience de pompage optique de l'isotope 199 de l'atome de mercure. Et on utilise pour l'excitation optique l'arrêt de résonance optique de 1537 angstrom. Eh bien, cet isotope, le noyau de cet isotope, possède à l'état fondamental un moment magnétique, et dans un champ magnétique, le niveau fondamental est découplé en deux niveaux magnétiques, moins 1,5 en haut et plus 1,5 en bas, et le niveau optiquement excité est également dédoublé en deux niveaux magnétiques, plus 1,5 et moins 1,5. Et entre les niveaux du bas et les niveaux du haut, l'arrêt 2537 possède quatre composantes Zeeman qu'on représente par des traits verticaux que je dessine. Deux de ces composantes sont polarisées rectilignement en pi et deux sont polarisées circulairement, l'une en sigma moins et l'autre en sigma plus, c'est-à-dire correspondent à des vibrations circulaires de sens opposé. Eh bien, si nous mettons dans ici une lampe à vapeur de mercure, une lentille et ici une cellule de résonance avec une goutte de mercure, la lumière de la lampe est concentrée par la lentille à l'intérieur de la cellule et nous pouvons polariser cette lumière en intercalant ici un nickel et une lame cardante. Nous obtenons ainsi de la lumière sigma plus et nous allons revenir à ce schéma. Vous voyez, si j'excite l'atome de mercure uniquement par la lumière polarisée en sigma plus, je vais exciter uniquement par cette composante Zeeman que je dessine en rouge, par l'excitation optique
je ne peux exciter que les atomes qui sont à l'état moins 1,5 de l'état fondamental, je les porte à l'état plus 1,5 de l'état excité, et de là, ils peuvent retomber vers le niveau fondamental après un temps très court, soit en revenant au niveau de départ, soit en empruntant ici cette autre voie qui les amène à l'état fondamental au niveau plus 1,5. Et bien c'est ce phénomène de transit ici, l'excitation du niveau moins 1,5 par sigma plus, puis le transit vers le niveau plus 1,5 que nous appelons le phénomène de pompage optique. C'est ça, c'est un peu comparable à l'effet d'une pompe où ces niveaux sont comparables à des bassins, nous puisons de l'eau dans ce niveau, nous le pompons vers le niveau supérieur et nous le faisons transiter vers le niveau plus 1,5. Bien, par ce processus, nous pouvons avoir 80% d'atomes dans ce niveau et 20% seulement dans celui-là. Pourquoi pas 100%? Parce qu'il y a un processus qui s'oppose au processus de pompage optique que nous appelons le processus de relaxation et qui ramène les atomes directement du niveau plus 1,5 au niveau moins 1,5. Processus qui a lieu quand les atomes heurtent la paroi du récipient. On peut représenter de manière imagée la pompe optique dont parle le professeur Kastler. Les deux sous-niveaux magnétiques de l'état fondamental sont deux réservoirs qui contiennent initialement le même nombre d'atomes. Le processus d'excitation en lumière polarisée circulairement est semblable à une pompe qui puise l'eau dans un des réservoirs pour la reverser dans l'autre. Les soupapes de la pompe optique ne sont pas étanches. Une partie des atomes qui sont montés dans le corps de pompe, c'est-à-dire à l'état excité, redescendent dans leur réservoir d'origine. Mais cela n'empêcherait pas la pompe optique d'être efficace si rien ne s'opposait à elle. La relaxation est comparable à une fuite dans la paroi de séparation des deux réservoirs qui tend à égaliser leur contenu. Si la fuite est petite, l'égalisation n'est réalisée qu'au bout d'un temps relativement long. Supposons, au contraire, que la fuite soit grande. L'égalisation est obtenue en un temps très court. On peut définir rigoureusement une constante de temps du phénomène appelée temps de relaxation T1. Ceci n'empêche pas de créer une différence entre les contenus des deux réservoirs. Quand la différence des contenus augmente, le débit de la fuite augmente et un équilibre dynamique s'établit quand le débit de la fuite est égal à celui de la pompe. Si le pompage est faible et le temps de relaxation court, on n'obtient qu'une petite différence des contenus. Si, au contraire, le pompage est violent et le temps de relaxation long, on obtient, à l'équilibre dynamique, une très grande différence entre les deux réservoirs. C'est-à-dire que les atomes orientés dans un sens sont beaucoup plus nombreux que les atomes orientés en sens opposé. On a réalisé l'orientation atomique de la vapeur étudiée. Nous avons vu que c'est grâce à la lumière polarisée circulairement que s'effectue le pompage optique et que nous changeons les populations des sous-niveaux magnétiques moins 1,5 et plus 1,5 de niveau fondamental de l'isotope 199 du mercure. Mais la lumière joue également un deuxième rôle dans nos expériences. C'est par la lumière que nous détectons les progressions, les résultats du pompage optique, progression en fonction du temps. En effet, revoyons ce schéma ici, nous voyons que les radiations de polarisation sigma plus peuvent être absorbées seulement par les atomes qui sont à l'état moins 1,5
du niveau fondamental, au fur et à mesure que le pompage optique s'effectue, le nombre d'atomes qui est dans ce niveau va donc en diminuant et les atomes s'accumulent au niveau plus 1,5. Eh bien, puisque la lumière est de moins en moins absorbée, la vapeur devient de plus en plus transparente pour la lumière incidente. Alors reprenons ici notre schéma du montage. Nous avons ici la lampe, la lentille, le dispositif qui permet de fabriquer de la lumière polarisée circulairement en sigma plus, la cellule de résonance avec son queseau contenant la goutte de mercure. Je dessine la marche du faisceau lumineux à travers la cellule de résonance et nous pouvons placer ici un détecteur de lumière, un photomultiplicateur P1 qui mesure l'intensité de la lumière directe qui a traversé de la cellule de résonance. Alors je viens de dire que l'intensité de la lumière va en augmentant en fonction du temps parce que la cellule devient plus transparente. Mais comme les atomes absorbent de moins en moins de lumière, ils réémettent aussi de moins en moins de lumière par résonance optique, par fluorescence. Et si nous mettons ici un autre photomultiplicateur P2, qui lui reçoit la lumière diffusée par les atomes de la cellule de résonance, eh bien, la quantité de lumière qui tombe sur ce photomultiplicateur va diminuer en fonction du temps, et nous enregistrons cette diminution de la lumière de résonance en fonction du temps, et nous obtenons ainsi des renseignements très précieux sur les changements de population entre le niveau moins 1,5 et le niveau plus 1,5 de l'état fondamental. Nous pouvons schématiser cette expérience. Partant d'atomes désorientés dans le noir, on éclaire brusquement la vapeur. On observe une atténuation progressive de la lumière de résonance optique réémise par la vapeur, en même temps que le renforcement du faisceau de lumière qui la traverse, parce que le nombre de photons absorbés par les atomes diminue. Une cellule photoélectrique permet de mesurer l'intensité lumineuse réémise et de l'enregistrer en fonction du temps sur un oscillographe cathodique. La diminution observée au cours du temps de l'intensité lumineuse réémise est une preuve de la diminution du nombre d'atomes dirigés en sens opposé au champ, c'est-à-dire de l'orientation des atomes. La constante de temps de cette diminution dépend de l'intensité lumineuse du faisceau pompant et du temps de relaxation. Ces expériences permettent indirectement de mesurer le temps de relaxation T1. Avec des atomes de mercure ou de cadmium, on obtient des temps de relaxation de plusieurs secondes, bien que l'atome subisse environ 10 000 collisions en une seconde. Cela montre qu'une collision seulement sur 10 000 est capable de désorienter l'atome. On explique ceci par le fait que dans les cas particuliers du mercure et du cadmium, les moments cinétiques et magnétiques de l'atome proviennent uniquement de son noyau. Et dans les collisions, le noyau est protégé par les couches électroniques. Au contraire, avec les atomes alcalins, le moment magnétique est lié aux électrons et les temps de relaxation sont très courts parce que chaque collision désoriente l'atome. Mais on peut ralentir considérablement la relaxation en recouvrant intérieurement la paroi de verre d'un enduit spécial, ou bien en ajoutant à la vapeur alcaline un autre gaz qui empêche les atomes alcalins d'atteindre rapidement les parois.
Pour qu'il puisse jouer ce rôle de gaz protecteur ou gaz tampon, il faut que ces atomes eux-mêmes ne désorientent pas les atomes alcalins, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de moment magnétique. On utilise le plus souvent les gaz rares de l'air. Si, au contraire, on mélange avec la vapeur étudiée un gaz dont les atomes ont un moment magnétique, les deux types d'atomes peuvent, dans une collision, échanger leur moment cinétique. Ces collisions d'échange sont possibles parce qu'elles respectent la loi de conservation du moment cinétique. L'orientation donnée par pompage optique aux atomes d'une certaine espèce est transmise dans les collisions d'échange aux autres atomes. En plus de l'aimant qui crée le champ magnétique, plaçons autour de la cellule de vapeur deux bobines électriques parcourues par un courant alternatif de fréquence nu. Ces bobines créent un champ magnétique alternatif H1 cosinus 2π nu t, perpendiculaire au champ constant de l'électroaimant que nous appellerons désormais H0 pour éviter toute confusion. Nous appelons delta E0 l'intervalle d'énergie entre les sous-niveaux magnétiques de l'état fondamental dans le champ magnétique H0. Si la fréquence nu du champ magnétique alternatif obéit à la relation de Bohr, delta E0 égale H nu, il se produit le phénomène de résonance magnétique, c'est-à-dire que chaque atome se met à osciller régulièrement entre les deux états magnétiques. La vitesse d'oscillation est d'autant plus grande que l'amplitude H1 du champ magnétique alternatif est elle-même plus grande. Si les échanges sont très rapides, on n'observe plus qu'une moyenne, et il y a en moyenne autant d'atomes dans chacun d'eux. La résonance magnétique tend à détruire l'orientation atomique, c'est-à-dire qu'elle s'oppose au pompage optique. Nous avons vu que le pompage optique rend la vapeur plus transparente et fait décroître l'intensité de la lumière de résonance optique réémise par la vapeur. La résonance magnétique produit les effets inverses. Elle rend la vapeur plus opaque et fait augmenter la lumière réémise par la vapeur. Ceci permet d'observer expérimentalement la résonance magnétique sur une vapeur. Si la fréquence du champ alternatif est plus petite que la bonne valeur nu0 égale delta E0 sur H, le phénomène de résonance magnétique ne se produit pas. On augmente progressivement la fréquence, et lorsque la fréquence nu passe par la valeur de résonance delta E0 sur H, l'intensité de la lumière réémise passe par un maximum. On peut mesurer cette intensité lumineuse sur un appareil enregistreur dont le déplacement horizontal est proportionnel à la fréquence nu. Un appareil compteur à affichage direct permet de contrôler cette fréquence. Si nous faisons varier la fréquence, nous voyons se tracer sous nos yeux une courbe de résonance magnétique. Les fluctuations parasites inévitables n'empêchent pas de voir l'allure du phénomène. L'expérience est ici faite avec l'isotope 199 du mercure, dans un champ magnétique d'une douzaine de Gauss. En pointant avec précision le maximum de la courbe de résonance, on mesure la fréquence de résonance nu0 égale delta E0 sur H. La largeur de la courbe de résonance est d'autant plus petite que le temps de relaxation est plus long.
Donc, la précision avec laquelle on mesure la fréquence de résonance nu0 est d'autant meilleure que le temps de relaxation est plus long. De la fréquence de résonance nu0, on déduit l'énergie magnétique delta E0 égale H nu, qui est proportionnelle à la fois au champ H0 et au moment magnétique mu de l'atome. Si le champ magnétique H0 est lui-même connu avec précision, on peut, à partir de l'énergie magnétique delta E0, calculer le moment magnétique mu des atomes. Inversement, si le moment magnétique mu est connu, la valeur de la fréquence de résonance fournit une mesure du champ magnétique H0. Voici, au laboratoire de l'École normale supérieure, un montage typique permettant d'effectuer ces mesures. Les professeurs Kastler et Broissel s'entretiennent avec un de leurs élèves des problèmes posés par une expérience nouvelle. Utilisant le pompage optique du rubidium ou du césium, on construit au laboratoire des magnétomètres portatifs qui mesurent le champ magnétique de la Terre avec une précision supérieure au millionième. Le même appareil est fabriqué industriellement. Monté dans une enveloppe profilée, il est utilisé pour tracer une carte systématique et très précise du champ magnétique terrestre sur de vastes étendues. Il faut traîner le magnétomètre au bout d'un long câble pour l'éloigner des parasites créés par l'avion. La construction miniaturisée et extrêmement robuste de ces magnétomètres permet de les utiliser aussi dans les satellites. Ces mesures de champ magnétique ou de moment magnétique sont les conséquences les plus immédiates de la méthode de pompage optique appliquée à la résonance magnétique. Le pompage optique offre encore beaucoup d'autres possibilités que nous ne pouvons pas citer ici malgré leur caractère fondamental. Son application aux horloges atomiques nous servira de conclusion. Il existe dans le diagramme d'énergie des atomes alcalins des niveaux d'énergie très proches du niveau le plus bas, mais qui en restent distincts même en champ magnétique nul. On dit que l'état fondamental est divisé en plusieurs niveaux hyper fins. L'écart énergétique entre ces niveaux est assez faible pour que la fréquence nu correspondante tombe dans le domaine des ondes radioélectriques ou de radar. Et on sait fabriquer des générateurs électriques oscillant à ces fréquences. La méthode du pompage optique peut se généraliser au cas de niveaux hyper fins et elle permet de contrôler si la fréquence du générateur électrique a la valeur nécessaire pour produire des transitions entre ces niveaux. Si ce contrôle est utilisé pour corriger automatiquement la fréquence des oscillations, on obtient un générateur électrique dont la fréquence est asservie à rester constamment égale à la fréquence de Bohr, nu égale delta E sur H. Les périodes de la tension électrique gardent ainsi des durées rigoureusement constantes. Si on compte le nombre des périodes, on transforme le générateur de précision en une horloge permettant la mesure du temps. Cette ampoule en verre contient de la vapeur de rubidium. C'est la partie essentielle d'un générateur étalon de fréquence de fabrication industrielle. Une lampe à rubidium effectue le pompage optique et la lumière qui a traversé la vapeur est recueillie par une cellule photoélectrique. L'ensemble optique s'insère dans un boîtier plus vaste contenant l'électronique de contrôle et d'asservissement.
La fréquence de cet étalon est définie avec 11 chiffres exacts. L'adjonction d'un compteur suffit à le transformer en horloge atomique. Il faudrait plusieurs siècles de fonctionnement pour qu'une telle horloge se dérègle seulement d'une seconde. Depuis toujours, l'humanité a confié aux astronomes le soin de mesurer le temps. Et ceux-ci sont parvenus aujourd'hui à de grandes précisions. Désormais, les physiciens entrent en compétition avec eux. Mais qui nous dira où conduit le temps ?